Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Endless Donjon. On est de nouveau avec Damned, salut Damned. Salut, salut! Et du coup, on avait testé la sauvegarde hier soir et ça fonctionne très bien. On a pu reprendre notre run et on va continuer donc notre petit run. On venait d'arriver dans la colonie de travail, si je ne m'abuse. Hein. C'est ça, dans la Eh colonie de bien, travail. normalement, c'est ça, oui. Et c'est là où il y a la grosse larve. Je crois. Ah oui. Je crois. Enfin, peut-être pas tout de suite, ça, il va falloir peut-être encore un étage ou un semi-étage Ouais, avant de. c'est dans la deuxième partie, ouais. Alors, on inspecte. Un petit bonus de science. Ça mange pas de pain. Ah, mais vous êtes là, vous? Coucou. Tout à fait. Y'en a d'autres? Ah putain, des foutues araignées. Oh, il est Merde. où un peu mon pistolet là? Et un coffre. Donnez-moi des fleurs. Non. Un truc acide. Bah, pour l'instant, je vais le laisser là. On va mettre un petit lance-flamme à l'entrée là. Oui, totalement. Et un deuxième derrière là. Ça fait un chemin de lance-flamme. Je pense que ce sera pas mal. Exactement, parce que de toute façon, on est obligé d'aller de l'autre côté. Ça fait un peu chier cet endroit là. Ouais, j'avoue. Bah écoute, on courra. Hein. Oui! Bon déjà il y a des tonneaux explosifs donc ça laisse entendre que c'est probablement de l'insecte quand même un peu partout. Puis de toute façon il y a l'Arvageddon donc. Alors ici on a une porte fermée. Vrai. Là il y a un truc de soin mais on a ce qu'il faut. Puis en plus il y a moi qui va soigner. On est en bon danger là. Ouais. Ça va péter. Bah, on va regarder si les tours suffisent tiens. Tout à fait. Comme ça on sera fixé. On avait quoi déjà comme tour de buff? On avait le bouclier et le diagnostiqueur. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'on avait deux tours. Pas dégueu. Enfin, pour l'instant, ils sortent même pas de la première salle. Par contre, elle douille la tour. Ouais, parce qu'ils sont en train de l'attaquer à distance, non? Non, bah, elle cramait les gens, elle les cramait, mais pas. Si j'en mets une deuxième, c'est trop loin. Donc, je vais mettre un petit diagnostiqueur dessus. Allez, je mets une petite réparation pour qu'elle tienne plus longtemps, qu'on a pas mal d'industrie. Et on est bien. Il est vrai. On part par là? Ça donne quoi la map? Ouais, vas-y, ouais. On va aller voir. Ah, parfait. Je mettrais bien un peu de science. On va repartir en arrière du coup. Je vais juste lui poser une tourelle, vu qu'il y a les snipers de... Pareil pour l'autre là. Hop, comme ça, on est un peu plus tranquille déjà. Vas-y, tu peux ouvrir. Ouais, bah les monstres sur le statut brûlé, ok. Dans la salle, bon bah écoute, c'est comme ça. Allez! Ah! Une salle éteinte. Monstre, pas de monstre, pas de monstre. Encore des statues brûlées. Pour les monstres de cette salle. Bon bah si on les fait traverser ces deux salles là, c'est cadeau quoi. Exactement. Ce qui va être le cas visiblement. Enfoiré, il m'a repoussé. Putain, il va vite. Je le poursuis. Au moins il brûle. Ok, il est mort. Alors c'est pas mal hein, mais tu vois ça suffit pas à les tuer. Ah bah ouais non, juste brûler. Bon ça dit, il brûle longtemps hein, même dans l'autre salle là. Mais ouais, il va falloir... Il va falloir peut-être allumer cette salle, on a qu'un de brume, bon c'est peut-être pas la priorité. Ouais, j'ai allumé celle-là déjà. Ouais. On va remettre un petit réparateur dans un coin là. Alors ça va péter. Tu gères cette vague là, je gère l'autre côté. Allez, on fait ça. J'ai l'impression que ça monte vite les dangers là. Je trouve. Bah, pour le moment, ouais. Le
Merde, c'est pas la touche que je voulais utiliser. Je m'agourais. Très grave. Un petit soin. Hop, comme ça, ça met de la... Large. Pas d'amélioration pour ma petite tourelle là. Tant pis. Pas mieux ici. Malheureusement. Ok, j'arrive. Non, y'a rien d'autre peut-être. Ah oui, c'était un cul-de-sac. Et non. Faut repartir là où il y avait le module du coup. Et bah allons-y. Allons-y gaiement. Hey, c'est un danger. Ton truc fait plus de dégâts quand même. On va pas se mentir. C'est sûr. C'est pas idéal comme tourelle, mais bon, tant pis, on va la mettre quand même. On va mettre une là. Du coup... Ah non, t'as trouvé un interrupteur? Parce que je me disais, y'a plus de porte. C'est ça. Oui, ok, y'avait un interrupteur. Farpé. En route. Mauvaise troupe. Oula. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, je vais juste acheter... Ah, on a de la recherche. Le tireur niveau 2. Sinon, on a une tourelle acide ou le truc qui réduit les vitesses de déplacement. La tourelle qui tire à longue portée de l'acide, je sais qu'elle fait très très mal. Hein. Ouais, mais est-ce que. Voir du niveau 2 par contre. Ouais, mais l'acide c'est pas leur. Bah pour l'instant, non. C'est pas dit qu'on aura des blobs, donc je pense que je vais réactualiser. Vas-y. Et. Non. On a le phosphore enflammé éventuellement, mais niveau 1. Pour soutenir le lance-flamme. Il tire loin le phosphore enflammé, je me souviens. Donc éventuellement... Allez. Vas-y, vas-y, on peut gérer. Hein. Allez, comme ça on aura une tourelle de soutien en plus. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre à l'autre salle qui est quand même plus proche du cristal par contre. Ouais. Sale vilain. Ok, il en faut une là. Attaque sur générateur. Quoi? Ouais, j'y suis, mais comme ils sont un peu nombreux et que mes tirs sont lents, ils ont le temps de lui mettre un petit coup à chaque fois. Quoi. Attends, j'arrive. Ah, puis ils ont pété la première tourelle, les coquins. Il y en a un qui est passé là, je vois. Hop, on va le cramer la tronche. C'est bon. Il va falloir mettre un petit peu de réparation dans la zone du coup là. Bah je sais pas trop, ouais peut-être. Le problème c'est que l'industrie faut qu'on en garde absolument pour la deuxième partie aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait il y en a bien besoin, beaucoup besoin. On va économiser à partir de maintenant. On va essayer, après on fait ce qu'on peut. Putain, des blobs. Ok, donc faut que j'aille chercher le truc acide. Parce que c'est un petit peu mou là. Bon, je vais chercher le pistolet acide qui était tombé et je reviens. Et donc. Ah, j'ai été obligé de l'éclairer celle-là, y'a pas le choix. Hop là. Alors, où est-ce que tu es? Ici. Je te laisse regarder. T'as un truc qui t'ajoute deux âmes si tu veux. Deux âmes en réserve, ouais, c'est pas mal. Après, je sais pas. Bon, on va prendre. Hein. Ouais, ça peut aider d'avoir un peu plus de soins de près. Par contre, ici, niveau acide, pour le coup, on a rien. C'est quoi leur faiblesse à eux? Enfin, leur force c'est... L'électricité, électrique. Ok. Donc, ouais, vaut mieux mettre un peu de flamme. On va poser peut-être un phosphore là, histoire d'aller ralentir et puis. Ça fera le taf, hein! Ouais, on va y croire. Ok. De la nourriture. Bon! Ça va être un peu pas jouasse, hein, mais bon. Bah écoute, j'ai de l'acide donc je peux m'occuper des pions-pions là. Bon, mais... j'en vois? Ouais.
Je vais essayer de gérer ceux-là, si tu veux gérer les insectes de la zone d'avant là. Ceux qui sont derrière, je pense qu'ils devraient pas rattraper. Je vais surveiller. Ah putain, il me manque mes mines face aux petites saloperies qui se multiplient là. Il y en a un gros qui pond, je m'en occupe. Ouh, il y en a qui passe jusqu'ici. C'est rien, je m'en occupe, voilà. Ok, ça pose des zones d'acide en fait, énorme. Je pense qu'il faut gérer la fin de la vague, hein, de toute façon, maintenant. Ouais. Time. Je m'en occupe. Je m'occupe de ceux qui vont titiller le module. Ok. Module à améliorer, quoi. Ouais. Je crois qu'ils ont un petit peu souffert, là. Mais bon, on économise l'industrie, donc. Par contre, j'ai même pas besoin de trop soigner, hein. En vrai. Bah ça va, on prend pas beaucoup de dégâts et à la fin de la vague ça soigne, donc pour le moment... Alors, j'arrive. TP, hein. Oui, t'arrives. C'est vrai qu'on repart de là du coup. Eh oui. Une belle salle éteinte, mais sans danger. Super. Apparemment. Ah oui, on va se taper des coupures de courant là. Oh, si peu. Vas-y, choisis, peu importe pour moi. Ah, un module. Ouais. Est-ce que je crame. Et encore un pop de ces merdes. Sur l'explosion. Hop là, un petit soin pour l'ami d'Emned. Est-ce que je sacrifie 20 d'industrie pour reposer de l'industrie? Il nous reste au moins 3 portes. Ça fera plus 4, 4 x 3, 12. C'est un peu juste. Il nous faudrait un peu plus de 3 portes. Oh, non. Il y a moyen qu'on en ait plus de 3 quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui. Bon, par contre, on va faire gaffe à ce qu'ils crèvent pas. Mais normalement, les blobs là, ils attaquent pas trop. Ouais. Mmh. Ouais. En mettant en économisant l'industrie, j'avoue que c'est chaud. Avec rien pour gérer là. Ouais non, c'est. Ça m'inquiète un peu. Ça va péter. Je reste ici pour gérer avec mon acide, tu veux aller soutenir le cristal? Ouais, vas-y, je vais. Allez. Venez. En plus c'est... Ah putain, attaque sur générateur. Ouais, j'y vais. Putain, les tanks. Je peux pas contourner à cause de ces petites saloperies de... Crève. Ouais, j'arrive, c'est bon, tout va bien. Spot, j'ai du mal quoi. C'est bien passé toi? Ouais, ça va, moi j'ai pas eu trop de problèmes.
que le petit pistolet acide là, il est un peu ouais. lent. Ouais, bah ouais. Pas optimal quoi. Petite brume. Ah, ouais. t'as posé une tourelle ? C'est totalement à rater. Mais je vois même pas comment en fait. Bah je sais pas non plus. Bah c'est de la merde. On peut pas les recycler pour regagner un peu, non ? Non, je crois que tu peux les relancer, tu peux les transformer en autre chose. Bah je sais même pas comment j'ai fait mon compte. Il va certainement y avoir des raccourcis faire... pour les... J'ai dû faire un... Ouais, ou j'ai dû faire un double clic. Mais vraiment trop rapide. Bon bah... Désolé. Alors, là il y a une arme lourde à acide là. On va dire que ça va, je m'en sors bien, puisque il y a un pop avec des créatures ouais. qui craignent le feu à l'entrée c'est de la ça. Porte. On va pas ouvrir là et voilà. Donc oui, pardon. Pas de soucis, t'inquiète. J'ai d'acide, ah putain, ouais, c'est pas mal. Ça fait chier, mais c'est pas mal. Oh, c'est de la bouffe, on peut se permettre hein, sur de la bouffe. Hein. Ouais, ouais, je pense qu'il va falloir. Hein. Alors il faut qu'il traverse tout là, puis qu'il fasse le détour, puis qu'il fasse là, ouais. Ouais, 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 c'est kiff kiff hein. Si on ouvre la porte, on gagne un peu d'industrie en plus, mais... On pourra l'ouvrir une fois qu'il sera passé. Ouais, tout à fait. Bon, bah... Bah écoute, je vais tâcher de tenir cette zone si tu veux lancer. Ah mais t'as ton arme acide peut-être ? Ça sera peut-être oui, plus c'est bon. Que moi. C'est bon, j'y vais, ouais, effectivement. Je vais couvrir le cristal, surveille la zone là. Ça me va. Ouais, c'est vrai que j'ai mon arme acide maintenant, ça devrait être un peu mieux. Ouais, c'est pas mal, on va dire. Parce que le petit pistolet là, certes, il fait des mini zones d'effet, mais c'est pas ouf non plus en vrai. Hein. Je vais pas te mentir que je galère. Hein. J'arrive, je suis là. Ça fait pas tant de dégâts que ça, quoi. C'est même pas terrible en fait. Oui, ça va, médic. Tu vois, Tu protèges ceux qui s'approchent devant là. Ah, t'es pas mort toi, t'es sérieux. C'est pas si dingo, deux secondes quoi, le temps que j'aille ouvrir la porte. Oh, oui, bien sûr. Hop là. Bon, l'avantage de mon petit pistolet c'est que ça met des zones, donc du coup ça la fait mal même au tank. Ah c'est chaud, au niveau DPS c'est pas ouf. Ouais, j'avoue. Un petit soin. Je dis pas non. Un autre. On peut reculer. Ouais. J'aurais voulu récupérer mon arme que j'avais, mais tant pis. Ah bah ouais, vas-y, hein, je tiens. Hein. Ça va être chaud. C'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. Parce qu'elle est pas si ouf, hein, clairement. Ouais, c'est une Gatling acide en fait. Ouais, mais même contre eux. Et salut, Mazamara. Est-ce qu'il y aura un live cet après-midi ou ce soir ? Il y aura un live cet après-midi et il y aura un live ce soir. Exactement. Cet après-midi, on sait pas encore trop, ça sera soit du Dotage, soit du Symphony of War, soit par Gaelden pour Dotage ou moi pour Symphony of War. Et ce soir, il y aura un live de Damned sur ouais, Football sur Manager 2024, tout à fait. Présenter un peu les nouveautés. Je me cours là, je vais utiliser ma compétence et je fais Alt à chaque fois. Ah, la Gatling Acid, j'avoue, pourtant elle faisait rêver. Hein. Elle fait rêver, mais fois elle galère. Hein. Bon, normalement c'est ici qu'on a le boss, hein. Ouais c'est ça. Donc niveau soin ça va, ok. Des petites tourelles... C'est en trois phases, donc ça veut dire trois zones de pop à absolument mettre des défenses de partout. Bon, il nous file un peu d'industrie hein, quand même, à 2-3 endroits, il y a des coffres et tout. Mais en fait, c'est vraiment trois fois hein, le combat. Je propose de faire de cette salle là une salle de défense, qu'est-ce que t'en penses ? Au moment c'est pas utile dans le sens... Enfin c'est pas que c'est pas utile. Ah oui, pas la peine d'anticiper. Ouais parce qu'en fait tu sais c'est les trucs qu'on... En fait les zones de pop c'est les trucs qu'on casse, j'avais pas calculé mais les trucs qu'on pète qui réveillent le boss, ça crée une zone de pop à l'endroit où on pète le truc. Ah,
On avait vu que si on le pétait pas, il finissait par péter tout seul par contre. Exactement. Tout à fait. Bon, de toute façon, c'est un peu la chatte. Hein. Ok, on a trouvé le marchand, c'est pas si mal. En plus, il prend de la bouffe. Oh, du rare. J'ai ouais, du rare en flingue. Grenadier flamme rare là, j'aime beaucoup. C'est que du feu ici, de toute façon, donc faut y aller. Hein. Ouais, je pense que c'est toi qui l'as activé. Pourquoi je peux pas le prendre si ça y est. Vas-y, vas-y, je m'en vais. Je le prends. Et du coup, bah, je vais remplacer mon acide. Hein. Ouais. C'est né pour faire pareil. Mais... Ah, il y a le pop là. Ok, donc le pop est là, donc. Donc il y a effectivement pas grand chose comme truc, mais bon. Faut mettre un feu ici, de toute façon. Voilà, là il va apparaître. Le problème c'est que la salle non éclairée, là il faudrait presque l'éclairer pour mettre des défenses quoi. Bah on va pouvoir hein, on a une brume. En soi le boss en lui-même est pas si dur hein, mais Bah jusqu'ici j'ai toujours perdu en mourant face à lui donc Allez go. T'occupe de celle-là, je vais protéger, je vais commencer à lui faire un peu de DPS dans sa face. Non, bouclier, bouclier, d'accord, très bien. Ouais, faut être devant lui. Ah, devant ? Ah oui. Eh ouais. Je vois. Putain, niveau DPS, c'est pas ça mon arme par contre. Ouais, moi ça va être compliqué aussi, hein. C'est que des grandes attaques. Là, l'avantage c'est que si on se met là, on peut se planquer un peu derrière le pilier. Alors j'espère que t'as craqué avec la petite réduc de notre lien partenaire, Mazamara. Tant qu'à faire. Les petits 5% et ils font quand même plaisir. Ah merde, ça passe. Je m'en occupe. Je continue de les picoter un peu. Fais gaffe, il va cracher par contre là. Et du coup, bah, bon courage pour ton boulot, hein, Azanara, parce que je peux pas porter pour ça. Si je suis à porter pour ça, ça fait carrément plus mal. Bon, carrément plus mal, je sais pas, mais en tout cas, ça fait plus mal. C'est quand même toi qui lui fais carrément plus mal. Y'a pas photo. Oula, ça a pété les défenses là. Oh oui. Bah, y a beaucoup d'élites hein, qui apparaissent donc forcément. Ah, et donc la vague se considère comme terminée quand même, ça c'est cool. Oui. Stade du soin, je prends. Non, c'est pas ça, c'est ça. Hop. Alors, vise le copain. Merci bien, encore un petit, ouais. Je parfait, vais mettre c'est bon. Un phosphore ici, il a une grosse portée le phosphore. Et... Sauf que tu vois, le truc qui est chiant, c'est que. On reste que 37 d'industrie, alors on va choper un coffre normalement, mais il y aura encore deux pop à protéger. Est-ce que du coup on essaierait pas d'avancer dans la zone de tout à l'heure là, comme ça on mutualise les... Oui, mais je crois que ça a été calculé, on va le faire de toute façon, mais je crois que c'est calculé pour qu'il y ait un pop à chaque endroit différent. Ah écoute, au pire, ça nous fait de l'industrie en plus. Et du soin éventuellement, mais pour 5 moment, de ça, soin. Va. Bah, ça va. Ouais, j'en avais pris en... En rab. Bah. J'avais prévu un peu, ouais en rab, ouais. Via le lien partenaire Mazamara, bah c'est cool. Merci beaucoup. Eh bah ouais, merci à toi, très très bon choix. J'espère que le jeu te plaira du coup. Bon bah... toc. Ok, l'interrupteur. Voilà. Donc ça devrait vouloir dire que normalement... Oh, que non, ça veut rien dire. On a ouvert la porte juste dans la même salle que le cristal. Bon, bah voilà le deuxième. Voilà le pop, c'est parti. Un petit lance-flamme là. Vas-y, je te laisse gérer. Un petit lance-flamme là. Là, niveau place, on va mettre un phosphore plutôt. Bon, bah on se refait la même, j'essaie de les. Ouais, mais je vais essayer aussi de l'endommager et de surveiller parce que sinon. Plus c'est long, plus il y a des vagues, hein, donc. Ouais.
C'est sûr. Et ça passe à mort, je crois. Ouais. Putain, y'en a un qui est passé. Non, j'arrive. Bon, je le chope. Ouais, mais vaut mieux qu'on soit deux parce que. Après, je vais rester plutôt de ce côté-là, du coup, comme tout à l'heure, comme ça, moi je suis proche de la sortie. Ah, mais je vais essayer de t'aider quand même. Y'a des saloperies qui passent. Puis il en crache de temps en temps en plus. Hein. Ouais. Je vais garder mon spécial pour la troisième phase. Ça passe. Bon, on avance quand même. Ouais, c'est bon, je suis. Et Zalus Mossis, bienvenue sur le live. Et oui, déjà de retour, on continue notre petit run d'hier soir du coup. Comme ça on a pu tester si la sauvegarde marchait en multi et fonctionne bien. Oula. Dis donc que tu souffres mon cher. Un peu. Recule un ça peu. Ça va vite, hein, ça va vite de prendre des dégâts dans le jeu. Surtout à ce niveau là. Je te mets un petit peu de soin ouais. Et de défense au passage. Oh, il est pas calmé là, on est d'accord. Ah, bon. T'es en train de me taper toi. Bah si t'as du soin pareil hein, je prends parce que... Ouais t'inquiète, je distribue. C'est pas du luxe, tu peux pas t'en envoyer à toi du coup. Si je peux m'en envoyer à moi complètement. Et en plus il y a le petit boost de défense là qui est pas dégueulasse donc... Ça marche. Bon bah faut prendre l'endroit où ça a été ouvert. Ouais. Par contre je serais d'avis de pas ouvrir si on peut pour le moment la porte qui donne vers le cristal. Ouais. Mais je pense qu'on va être obligé. Ouais, là il y a un coffre avec de l'industrie normalement. Voilà. Parfait. Ouais bah ouais, va falloir être obligé, je le crains. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une petite tour avec bouclier ici. La défense des héros, du robot, du cristal, des tourelles et des générateurs dans la même salle. C'est quand même pas mal, je pense, dans la salle du boss. Ouais, et là, je pense qu'après, c'est la prochaine zone de pop. Bah écoute, allons-y. En fait, il faut vraiment arriver avec une masse d'industrie ici. On peut éclairer la salle, mais je pense que c'est pas utile, parce que la salle de derrière est mieux pour défendre. Ouais, vas-y. Vas-y, je te laisse gérer la salle, je sais pas trop comment la gérer. Je vais essayer d'aller vite le tabasser avec mon spécial. Ouais, plus de... on a plus d'industrie. Cette bête là qui pop, qui vomit. Je lui envoyer, mais putain, c'est galère quand même. Hop là, on répare. Faut que je me TP. Et que je me soigne surtout. Voilà. J'essaie de jouer avec la minimap, mais c'est chaud hein. Ouais, c'est chaud. De défense cadeau. La vie descend hein, mais c'est pas... Ouais mais ils font cher quand même hein. Oui, on y arrive mais... Oh putain. Tout va bien, ça va se passer. En haut ça passe au cristal, vas-y. Il a rien, il s'est pris une compétence de zone ou quoi? C'est pas. Y'a plus de tourelle, ça va commencer à être la merde là. Alors, boost de bouclier, ça fait plaisir. Wow. J'ai plus d'âme pour soigner. Je suis soigné. Cristal a pris des dégâts. Je m'en occupe. Ah mais il a rien hein. Je pense que c'est l'autre qui lui balance des trucs sur la tronche là. Ouais, cool, après merci. Si on tue quelques créatures ça me fait des armes pour soigner. Non, j'active ma compétence. Viens dans le cercle. Oui. Avançons.
sauver la tourelle là, tant qu'à faire. Wow, putain. Allez, crève, putain. Merde, il est pas en face. Allez, c'est bon, ça va le faire. Allez, je balance tout ce qui me reste. Oh. Ok, ah GG. Ah. Bien joué les tocards. Bon, bah écoute, je vais aller améliorer les tourelles là, au moins elles tiendront mieux sur cette zone là, c'est toujours ça. Bon, cela dit, il y a des petites croix sur les trucs, donc je pense que c'est bon. Il nous a pas looté un petit... Ouais, ouais, ah, je pense si, que... voilà, une petite boisson. Si, si, ouais. Pareil, je sais même pas si ça me les débloque, du coup, je suis pas sûr, mais... Bref. Alors, faut bon, aller récupérer, attends, aller récupérer les pièces que les tourelles ont générées, quand même. Oui, c'est une bonne idée, ça. En tout cas, GG. Ouais, GG, on a réussi, ça y est. Tu vois, comme je dis, c'est un combat un peu de durée, quoi. Bon, ouais, moi, ouais, c'était bah... plus long. Il a été encore un peu plus long, mais parce que j'étais en solo aussi, donc... Un peu moins se concentrer, c'est plus compliqué. Bon, bah au moins, le robot se déplace tout seul, c'est déjà ça. Ouais, ça relance pas des vagues le temps qu'on l'amène. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bon. Petite pause quand même. Petite pause s'impose. Bah du coup, le run n'est pas terminé, hein. On ne sera bah, pas bah mort si facilement. Pas encore. On s'accroche. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat si le son déconne encore, hein. Il y a... Ah oui. On n'a pas eu le bonus de boss éliminé. Tiens, je pense qu'il faut pour l'avoir. Genre pas prendre de dégâts. Non, pas possible. Pas prendre de dégâts. Ouais, je comprends pas non plus, j'avoue là. Ce serait chaud. Pas de boss éliminé, on l'a juste éliminé. Voilà, je sais pas. Alors les petits gars, où est-ce qu'on va faire la fête maintenant? Et bah on a accès qu'à l'incubateur, donc je propose d'aller à l'incubateur. Le nom, le nom me fait pas rêver. Je sais pas ce qu'ils incubaient, mais... Ça sent l'incubation de vilain. Au moins, si on peut garder des insectes, c'est pas plus mal. Hein. J'ai peut-être changé d'arme. C'est clair. En tout cas, ça progresse, hein. Après c'est le noyau, une fois qu'on aura fait cette zone-là. Ouais, ouais, ça y va petit à petit. Ok, y'a de l'acide, c'est pas bon signe. Ouh, la bonne salle bien en haut. Ouais, bon, bon moment. Ouais, c'est acceptable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? De l'insecte. Parfait, j'ai envie de dire, on est plutôt équipé. Ils sont résistants au... à l'acide. Hein. Vitesse ouais, des héros sais, et des mais... monstres plus 20% lorsqu'ils ont peu de PV. Ok, donc plus on va blesser les monstres, plus ils vont aller vite. Ça, c'est pas cool ça. Non, non, c'est nous ça. Non, c'est des monstres. Ah, et eux aussi. La vitesse des héros et des monstres, ah, ouais. C'est marqué. Donc je pense que non, non. Ça c'est... veut dire qu'ils sont à 50% de vitesse dans les salles sombres. Quand ouais. On passe beaucoup de PV. Large. Ouais, ouais. Il est bien. Oh, oh. Coucou toi. Non, non. Oh. Non, non. T'es pas joueur. C'est non. Ah non, pas trop là, non. T'aimes pas hein, faire les améliorations du robot. Hein. Moi je l'ai fait. Ah tout. Si. Mais quand c'est pour perdre, non. Ah, c'est vrai que j'ai plus d'acide, c'est de la, c'est du feu mon autre truc. Non, moi j'ai de l'acide, mais c'est de la merde donc. Je pense que dans le dos des saloperies là. On putain, j'ai fait tellement rien au tank là, même de dos. Allez, venez brûler. Ah, par contre, on n'a pas tombé de. Comment ça s'appelle? Le feu, ça leur fait tellement de pédale quoi. Bah oui, c'est pour ça que je pense que l'acide là, même s'il fait pas grand chose. Ouais, tu vois, t'as quand même une bonne cadence de tir. Moi, je les repousse un peu. C'est pas si mal, quoi.
Enfin, c'est sûr que contre le tank, c'est plus la même. Oui. Donc, on mine pas. Il y avait de la recherche surtout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, peut-être qu'un peu d'acide, ça serait bien s'il y a ça. Oui, on a le tir d'acide. Parfait. Let's go. On retourne se mettre là-bas. Bah, vas-y. Je vais essayer de les arrêter là. Avec les flammes, ça devrait aller. Faut que je prenne un truc qui ratisse plus par contre. Putain, il y a des élites élites quoi. Ils sont jaunes et entourés de. Enfin, ils sont élites et entourés de jaunes. Ouais, on se calme là niveau dégâts là. C'est quoi ce délire? Réparer un coup. Regarde ta vie aussi. Ouais, je heal. Il y a un gros. Putain, il a bien boosté celui-là. Je m'occupe du tank là. Voilà, vache. Putain, le 5 KP là. On a plus que 5 d'industrie, la vache. Bon bah, bien. On va pas la poser tout de suite hein. Non, mais on peut regarder par contre, c'est peut-être autre chose. Ah bah go. Je vais te dire. Pas d'amélioration de tourelle là, non, aucune. Pas cool ça. Essayer de me mettre plus proche. Le gros nid là qui contourne les tourelles quoi. Sale bête. Ah, il contourne les tourelles par la droite quoi, c'est abusé. Donc ça suffira pas cette défense là. Bon, c'est pas si mal. Bon. Si, il faudrait que je l'améliore en ça, du coup, tant pis, on va cramer 1. Ça va, 1. Ouais, il reste pas ou pas ouf. Ok, on ouvre. Ouais. Tu veux pas miner? Bah, pas tous les suites là comme ça, non. Et salut Dacus, la voix de Damned est cassée. Merde, encore. Ah, encore. Attends, salut Dacus. Je m'étais mis en moyen pourtant. Bon, je vais pas me mettre en faible quand même, faut pas déconner. Moyen, c'est bien moyen quand même. Je l'ai vraiment pris en jeu parce que Steam m'a pas dit que je l'avais. J'ouvre là, ça te va? Ah, il y a un module, parfait. Ouais. Ça c'est parfait, un petit peu d'industrie s'il te plaît, un peu d'industrie. Non, on a rien pour défendre, tant pis. Non. On va voir s'il a compris ta question du coup. Ouais, bon, il faudrait mettre plus d'industrie mais on n'a pas assez donc on va attendre d'avoir assez je propose. Moi ça valait bien la voix de Damned depuis très peu de temps, c'est haché. Ouais bah ça doit être ça, hein, le PC qui galère un chouille. Hein. Malheureusement. Eh oui. Putain, y'en a un qui va chercher direct le module quoi. Ouais, j'ai. J'empêche ceux de. J'empêche les gens de passer. En tout cas, fais gaffe, du bandit dans la gueule. J'arrive. Ouais. Et en plus, il y a un tank blindé là. Bleu là. Petite sale bête quoi. Il y en a encore un qui va passer. J'y vais. Vas-y, je vais me mettre. De manière à les. De toute façon, c'est fini la vague sur les insectes là. Ça doit être le moment, je sais pas, peut-être que quand on est sur une zone où il y a beaucoup de lumière, un truc qui tire un peu plus fort, c'est vraiment bizarre, hein. J'ai pas du tout d'encodage en surcharge ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vraiment chelou.
Allez, encore une porte, on pourra faire un autre module d'industrie. Et pour si on va poser que Dacus n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et du coup, ouais, bah Dacus, la question était, est-ce que tu as vraiment précommandé le jeu? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est vrai, vas-y, c'est vas-y, ouvre une porte, je construis l'industrie dans la foulée. Ok, pardon. Ou alors il est déjà parti, hein. Peut-être. Oh non! Non! Ah, coucou vous! Ah c'est ceux qui ils changent de style là. Ah mais j'ai que de la flamme donc Ouais alors on va le faire. Ah ouais ça va être chaud du fion là. Je vais la prendre ça c'est sûr. Ouais. Tu préfères une bonne vieille Gatling. Bon, c'est vrai qu'après ça fera des dégâts au moins un peu identiques sur tout le monde quoi. C'est ça. Regarde, il va falloir qu'on l'amène là. On va pouvoir. Oh c'est sympa comme quoi. Ouais génial ouais. On va pouvoir le faire miner du coup. Propose. Ça se trouve par le haut, ça rejoint. Ouais mais on peut pas le savoir tant qu'on a pas fait venir donc. Ouais, c'est vrai. Ça a pété. Ah merde, j'aurais pas dû ouvrir cette porte du coup. Il y avait une vague dedans. Ouais, ouais. Ah putain. Oui, c'est encore des lumineux en plus. Bah écoute, je gère ceux qui s'approchent plus ou moins. On va dire. On va mettre un acide là, ça va aider. Et où le générateur qui prend là? Améliore-toi, toi. Oh la vache. Je te rassure, c'est large de mon côté. Si on peut dire. Ouais, ouais. Non, c'est absolument pas large. Ok, c'est parti. On prend tous les lumineux là, moi. Wow. Moi, il y a les gros tanks là, ils sont en train de progresser de fou. Allez, l'explosion là, toi reviens là. Ouais, et puis je peux pas protéger le générateur, c'est impossible. J'essaye déjà de tuer l'autre mais je lui fais tellement rien putain c'est ouf. Ah la vache. Mais moi c'est pareil la Gatling je leur fais pas grand chose au lumineux. Ah putain ils m'ont poursuivi jusque dans la salle du cristal quoi. Ok c'est bon c'est géré ça au moins. Quoi? J'essaie d'aller défendre le générateur là. Putain sa mère. Ah y'a un lumineux qui arrive en plus. Et tu fais un peu plus mal que moi hein. Oui, ça va, mais. Wouah choubou. Je vais mettre une tourelle ouais. Acide là là. Au moins elle a de la longue portée, elle va couvrir cette zone. Vu qu'on a rien prévu en lumineux, c'est chaud là. Ouais. Ah bah y'a pas le choix, il va falloir le faire venir hein. Après on peut ouvrir cette porte là pour faire un petit raccourci si on veut. Mais on peut pas ouvrir la jaune si. Non mais au moins il évite la zone de spawn quoi. Après bon. Ouais c'est vrai. C'est minimaliste, je te l'accorde. Hein. Après on peut essayer d'aller ouvrir celle qui est dans la salle du cristal pour voir. Hein. Il y a peut-être qu'on va trouver un truc sympa. Hein. Ouais. On en est. S'il y a une vague, bah bon bah c'est encore plus la merde quoi. S'il y a une vague, elle sera dans le dos donc ça ira. On doit s'améliorer et bien sûr c'est éteint. Donc on va l'allumer. Alors. Bonne 50 PV à la fin de chaque vague. 30% de dégâts de coups. Non, c'est de la merde. 100% de dégâts de coups. Oh, c'est de la... Non, et toi t'as quoi? Je sais pas. 5% vas-y, de regarde. Poussée. C'est pas mal 5% de poussée. 20% s'il y a aucune tourelle. 20% de chance de coup critique quand les PV sont au max. Non, je vais prendre le. La pousser par truc, je vais prendre le soin. Je vais te healer un peu. Oh, ça putain, ils sont hyper loin en plus. Vas-y, je cours. Vas-y, vas-y. Tu vas aller faire le plus au fond, moi je fais le plus près. Non, trop tard. Okay. Pas grave, ça passe pas. Non, j'y vais. De toute façon, ils me poursuivent les monstres, ils attaquent pas trop le cristal dans cette condition là. Non, bah on prend. Putain, le lumineux là.
C'est bon, c'est allumé. Et c'est fini. Ok. Oui. Bah en haut, ouais, c'est chaud quoi. Ça continue, mais j'ai peur que. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on continue à avancer en haut? Est-ce que. Bah de toute façon, je pense que oui. Hein. Au pire, en haut, ça sera dans le dos du cristal, donc ça ira. Puis ça nous génère au moins un petit peu d'industrie vu qu'on a perdu un générateur. C'est pas faux. Donc si on peut en trouver même un générateur. Par contre, c'est toujours en danger là. Il y a toujours des ennemis. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y avait une porte ouverte. J'ai ouvert une porte. Ça fait quoi? Si un coup est porté contre un monstre avec moins de 15%, il est tué instantanément et ça nous soigne. Ouais, bon. Admettons. Alors si je peux avoir une petite arme, s'il te plaît, je. Non. Bon, non. Okay. Non. Non, clairement pas. Nick, du coup. On va poser un phosphore histoire d'aider un peu. Alors dites-nous dans le chat, c'est mieux d'Amned ou pas là? Ah bah c'est que des armes lourdes, je suis désolé pour toi. Puis... Et là du coup on retombe là, ok on retombe là. Bon, ça pourrait être pas mal de faire passer le cristal par ce chemin en vrai. Hein. Attends, on fait comme la dernière fois, on le fait nous suivre. Et une fois qu'on est arrivé là seulement on ouvre la porte. Ouais, carrément, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon plan, je peux tenir ici. Tiens bah va le chercher. Ouais j'y vais. Je vais tenir ici. T'as, non, pas, Marc, pris attends, ton... non, pas... T'as pas pris ton objet ici. Ah bon? Ah oui. Allez petit cristal, c'est revenu la voix de Damned, parfait. Putain les saloperies jaunes là. Tellement chaud à tuer. Non mais merde c'est vrai qu'il me suit putain. Viens là. Tu veux que je toujours être devant lui. Non non faut juste être toujours devant lui c'est sûr tout ça. Putain y'a une méga araignée là. Ouais. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens voilà pour le pousser dans le bon sens. Ça va commencer à arriver. Un petit lance-flamme, vas-y progresse, je couvre l'arrière. Un petit soin plus défense, ça fera pas de mal. Ah les lumineux qui se sacrifient sur ta tronche là. On commence à arriver. Ouais c'est bon, la porte a été ouverte. Ok, il y en a un qui passe invisible. Tiens, je t'ai vu toi, tu crois, je t'ai vu rusher là. Ah mais il y a un module ouais, ici. Eh bon, on l'avait pas vu. J'avoue. Saloperie. Bon là ça commence invisible. À arriver. Oh. Ouais, ils sont invisibles dans notre dos là. J'essaie de mettre des tatanes. Oh putain, c'est quoi ce gros rush là? Un peu de défense, allez hop. Attends, j'ai il faut ça que t'avances parce qu'il te suit hein. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors on va lui donner l'ordre de se poser ouais, mais... Ouais c'est ça. Ouais c'est ça, allez va là-bas. Saloperie de truc invisible là. Ouais je vous vois, ah ils arrivent de l'autre côté les enfoirés. Ah mais putain. C'est tellement chaud du cul. Non, tout va bien. Vas-y, j'active mon soin. J'active mon spécial aussi là parce que. Il en reste quoi? Il reste une petite saloperie là. Invisible. Putain. Quelle saloperie. Moi je tire en continu. Hein. Pareil. Waouh! Et pas une seule putain d'amélioration de tourelle. Là. Ouais. J'adore. Bon. Et tu sais que tout ça c'est pour trouver juste le truc qui est là derrière. Attends, qui est un interrupteur. Non mais je voulais aller mettre l'industrie mais tant pis. Ah t'es... ouais de toute façon. Ce qui veut dire qu'après t'as vu comme c'est loin. Ouais. Écoute hein, fais ce qu'il faut hein. Ah mais non, je m'occupe de celui qui est tout près, j'active. Ah vas-y parce qu'il y a trois trucs qui sont apparus ouais, là. Je m'occupe de l'autre. Allez. Ah non il est là.
Allez, c'est bon. Bon, en fait, c'est de la merde cette arme, mais vraiment de la merde. Alors, mais vraiment, vraiment de la merde. D'accord, très bien. J'en ah non, mais promets. vraiment, hein. J'ai l'impression qu'elle fait aucun dégât. Je sais pas, c'est censé faire quoi? C'est le truc à courte portée? C'était à courte portée contre les blobs. Mais j'ai testé tout à l'heure, je leur faisais beaucoup plus de dégâts avec la Gatling qu'avec ça. C'est le Pas genre comme déconner quoi. La zapette là, le truc qui fait de l'électricité. Tiens, bah rien, une zapette en parlant. Ah. Bon, je pense que c'est Bah pas ouais, très mais utile bon. dans le contexte là. Donc, ça, Pas vraiment, non. c'est des blobs. Hein. Je vais mettre une tourelle acide. Voilà, ça sera toujours ça de pris. Donc on est d'accord, c'est-à-dire que le robot, il va falloir l'amener ici. Probablement. Même peut-être un peu plus loin. Oui, bah, rien que très très tranquille quoi. Attends, ça donnera envie de faire une recherche de toute la science qu'on a, mais on galère tellement avec les vagues Non, là. non. Bon bah c'est là qu'il faut l'emmener, hein. Ouais, bah du coup on lance une recherche et on active le robot. J'ai envie de dire, hein, tant qu'à faire. Oui. J'aurais dû voir les recherches au moins vite fait. Vas-y. Le faire miner sur le chemin, ça me paraît tendu. Ouais, faudra ouvrir la petite porte aussi à côté du robot. Il n'y a que des trucs level 1, je relance un coup. Il y a le diagnostiqueur level 2. T'es prêt? Ouais, alors tu te TP au robot dans la foulée et tu ouvres la porte. Parce que sinon ça il va mettre un détour beaucoup trop grand et il va aller vers les deux salles de vagues. Ça me Bon, va. tu me diras. Ouais, vas-y. Je l'envoie. C'est parti. Et je reviens évidemment. Allez Christelle, cours. Je couvre ses arrières parce que ça arrive déjà, forcément. Ouah, c'est déjà chaud là. Oh là là, 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 oh là là. Oh putain, Ça va être problématique. le Je ne peux gros pas gérer. tank là. Je ne peux pas gérer. C'est ingérable. Ingérable, c'est pas possible. Oh, les créatures là, oh là 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 là, ils sont tous coupés quoi. Et tout ce qu'il y a là dans la salle, c'est pire. Hein. Ingérable. Oh, je me suis fait défoncer. Ouais, non, mais c'est ingérable. C'est pas one possible. shot. On a pas assez de DPS. On DPS pas du tout. Ouais. Après, il y a le robot, hein. Je peux tenir un peu. Ouais, mais j'ai pas mon spécial. Ah, la violence, j'avoue, là. Bref. Ouais, Et puis les armes acides, ce qui est marrant c'est que par contre mon cadavre bloque des monstres, donc profites-en. Ah d'accord. Ah mais je vais crever là. Il est en plein dans la porte donc il reste derrière. Non c'était ingérable, là les DPS on a clairement pas assez quoi. Ouais, bah fouette, ouais, pas d'acide, les lumineux. Ouais là c'était chaud patate hein, Mais bon, vraiment. c'était la troisième zone, c'est pas si mal, hein, franchement. Ouais. On a débloqué le Bloody Melee. On n'est pas trois quoi. Ouais. Puis Dacus, il est parti, il est venu, il est reparti, hein. Disons-le. On peut pas compter sur lui, voilà. Il s'est dit merde, ils vont me demander de venir. Vite, tu me casses. Ah, on a débloqué Fassi, nice. Enfin, j'ai débloqué Fassi du coup. Par contre, Le fasse barman? une. Ouais, le barman, ouais. Et du coup, on a le Bloody Melee. Alors, le Bloody Melee, l'équipe de soins ne soigne pas mais rend les héros invincibles pendant 10 secondes. Et il gagne des PV en donnant des coups aux monstres. Et par contre, on réduit la défense des héros. Super. Ouais, j'ai débloqué aussi celui-là. Je crois que j'avais pas activé les clés en fait là. Ouais, la chambre forte est désormais accessible. Il reste plus que l'esprit de ruche chez moi à débloquer. Là on a un petit souvenir là. Ah, ça y est, il y a des gens qui chantent là. Il y a la chanteuse. On n'a pas encore le batteur mais on a la chanteuse maintenant. Et le mec sur son synthé. Ouais, tu vois ça petit à petit hein. Avant on avait que le bassiste. Qu'est-ce que tu veux toi?
je vous aime bien, alors je ne vous dirai pas à quel point les chances sont contre vous. C'est gentil. Bon bah voilà hein. J'ai même pas regardé Camarade... Fongi, j'ai pas de... J'ai pas de skin pour Fongi, tiens. Ok, tant pis. Tant pis, ouais. Je garde mon skin actuel, et voilà, c'est tout. Alors, il y a des souvenirs aussi, hop. Vénération 2 sur 4, vénération 3 sur 4. Et l'arrogance, ok. Bon bah, ça s'est pas si mal passé que ça. Ouais ouais ouais, non, ça a été, ça a été. Alors est-ce que du coup j'ai débloqué ma quête? Finalement... Bah moi c'est chiant, je peux rien voir, il faut que j'aille en solo quoi. Non, ça l'a pas débloqué hein, donc Ah bon? Ouais. Terminer la première zone du premier étage du quartier du jardin avec Z dans votre équipe. Bah ouais, pourtant... Normalement ça aurait dû le faire, mais bon... Ah oui, moi mon quatrième mission c'est éliminer le boss Rougeuil au deuxième étage du quartier de la chambre forte. Et bah on vient de débloquer la chambre forte donc... Ouais. Ça veut dire qu'il y a un boss dans les troisième zones aussi. Miam. Oh oui. Et du coup ça fait tous les héros. J'ai tous les héros là. Ouais, moi non du coup, mais... Que les choses soient claires, ce sera moi le meilleur. Ça, ok, ça c'est fait. Et ah, et Camarade là, le mec de l'atelier, c'est carrément un truc qui appartenait à la... Il était là quand il y avait les Andless quoi. Ah oui. Je me souviens de cet endroit à l'époque où c'était encore bondé, avant que tout me change et me pourrisse. J'ai dormi combien de temps? 20 à 25 000 ans? Je ne rêvais pas, je réfléchissais. Il faut débloquer 5 tourelles différentes avec lui. Et alors Blaze, okay. C'est rigolo, tu sais, son... c'est vrai que j'ai pas trop mis les mises en contexte, mais l'objectif, tiens, tu sais, atteindre le deuxième étage avec une équipe qui a tous ses PV là. Ouais. En fait, dans son histoire, c'est parce que il est arrivé dans le truc et il voulait avec une équipe, une autre équipe du coup. Et il a joué avec ses munitions et ses explosifs et en fait, il a buté tous ses potes. Ah, et du coup il est en mode oui je repars avec une nouvelle équipe mais cette fois je vais essayer d'en prendre soin. Ah, j'ai débloqué la genèse. Cool. Le souvenir de la genèse en entier. Bon, bah écoutez. Voilà. Tu veux qu'on s'arrête là, c'est ça? Tu peux pas beaucoup plus. Ouais, parce que faut que je prépare mon live pour ce soir, j'ai pas tout. Regarder sur Football Manager, donc pas de soucis, ça va être l'heure d'aller casser une graine de toute façon. Du coup, on va arrêter le live là et la VOD d'ailleurs, hein, bien sûr. C'est un petit épisode pour finir le run, pile une heure, nickel. Bon, si on avait pu aller plus loin, ça aurait été mieux, mais on peut pas se plaindre. Exactement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Du coup, j'espère que ça vous a plu. On va chercher s'il n'y a pas un petit raid à faire à cette heure là, il y a moyen quand même. Toc. Ouais, allez, on va aller faire un petit raid chez Kungap pour du Handless Donjon. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à rester, faire un petit coucou, même si vous comptez partir pour le raid, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir papoté ou d'avoir lurqué. Et on se retrouve cet après-midi pour un nouveau live et ce soir pour un autre nouveau live. Ciao, ciao tout le monde. A plus.